Et bonjour à tous, c'est John Jonathan, deuxième vidéo de la journée. Voilà, surprise, c'est dimanche, cadeau, deux vidéos. Bon, il y a quand même une sorte de petit lien entre les deux vidéos. Donc ce matin, vidéo sur la catégorie filles pleines de vie. Et aujourd'hui, cet après-midi, vidéo sur la catégorie guerrier inférieur, rien que ça. Le lien, bah, c'est que c'est des catégories un peu secondaires, hein, voilà, où il y a des leaders free-to-play qui sont, bah, évidemment... pas aussi OP que les leaders classiques qui donnent 150%, hein, voilà, c'est des maths, hein, c'est une question de stats. Donc ça va être une vidéo assez rapide, on va faire un ou deux boss. Là on va faire, je pense, ouais, un boss de plus, parce que c'est vrai que la catégorie filles pleines de vie, les dégâts, ils sont un peu absents. Donc un boss ça suffisait, là il y a peut-être moyen de faire un peu plus, mais pas un boss rush complet non plus, c'est pas intéressant et ce sera trop long. Parce qu'on va pas faire non plus énormément de dégâts, donc on va lancer le boss rush numéro 3 avec les demi-gothiers, mais on fera les deux premiers boss. On n'ira pas plus loin, surtout qu'après en plus les boss ont des barrières. Enfin du moins Black et Vegeta. Donc on va faire les deux premiers et on risque déjà de prendre cher sur Jubai. Donc on va voir ce que ça donne. Alors voilà la team que j'aligne, je vais vous montrer ce que j'ai d'autre dans la catégorie. Mais j'ai pris ce que j'avais de mieux. Donc mon Raditz Speedy, j'ai pas mis d'orb dedans parce que j'ai Broly LR. Maintenant si tu n'as aucun carnage OP, je te conseille de le mettre 100%. J'ai fait une vidéo test en x20 et en x30 dans le TB sur la Jap. Il fait le café. En x20 il fait le café facile. En x30, il faut être prudent, il faut préparer les ki éventuellement pour tes autres unités au cas où il y a une carte endurance puissante. Mais il peut faire le café, il faut juste faire attention. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable pour une carte free to play. Donc très très bon ce Raditz. Alors là, le truc c'est que sa deuxième partie de passif qui lui donne ki plus 6, attaque et def plus 30%, s'il y a deux ennemis ou plus, va pas forcément proc. Parce que le boss il sera seul, à part le deuxième boss où il y aura les acolytes de Frieza au début. Du coup là, le Raditz va être peut-être un peu moins impressionnant quand même. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, j'ai pris un ami leader qui est à 100%, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Je prends Talesu Tech Spedis, fraîchement Spedis, pas rien dans l'arme, mais assez intéressant. Il se donne du ki, attaque def plus 60%, pardon, pendant 7 tours. On va mettre les deux à côté là. Raditz et Thales, ils ont pas en commun et d'autres liens, c'est pas mal. Ensuite, le Bardock qui est pas mal, hein, augmente fortement l'attaque pendant un tour et dégâts colossaux. Attaque plus 100%, mais SP1, parce que SP non farmable, hein, donc voilà. Ça va être le cas de tout le monde. Hein. Raditz, pareil, il est assez intéressant quand même. Attaque et def plus 12% pour chaque sphère de ki obtenue. Pas de couleur précise, donc comme Celtec. Donc c'est pas mal. Mais bon, voilà, les stats, c'est pas les mêmes. Et puis SP2. Facha pour changer les ki, c'est un TUR en plus. Et puis ce Goku, pas dégueu. Attaque plus 80%. Deuxième rotation, je me demande si on va pas faire Facha et Raditz. Parce que comme ça, elle change les ki et puis lui, il nuque. Même s'il est, bon, il est SP1, hein, donc ça va pas être ouf, mais. Bon, on fera peut-être ça ensuite, parce que là, on va affronter de l'agilité, donc quoi qu'il en soit, voyez vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans la catégorie bah, pas grand-chose en soi, c'est pas une catégorie assez, enfin, c'est pas une catégorie où il y a énormément de choix. Déjà, j'ai mis tous mes TUR, hein, clairement, j'ai mis tous mes TUR. Sinon, il me reste le Thales, qui vient d'avoir son éveil sur Ajab, qui est excellent. Mais là, bon, j'aurais pu le ramener, mais je l'ai pas éveillé, et puis voilà, je l'ai pas éveillé, et puis il est pas TUR, donc il a un peu moins de stats. Mais j'aurais pu le ramener, hein, franchement, j'aurais pu le ramener. Franchement, il est pas dégueu. Très sympa. Je peux peut-être le ramener à la place du Goku. Ouais, je vais le ramener. Attendez, je vais le ramener. Je vais l'éveiller vite fait. Hein, voilà. Lui, pas très intéressant. Il donne du ki, mais si PV à 80% au moins, pas ouf. Pareil pour lui, il donne de la défense. C'est vraiment pas ouf. Hein. Clairement, il faudrait qu'il. Pas d'éveil, ces deux-là encore. Hein. Il faudrait qu'il ait un éveil. Ensuite, bon, il y a un Goku. Il y a quelques Goku SSR. Bon, voilà. Vous voyez quand même que le choix est assez limité quand même. Ah ouais, non, mais si je l'éveille, je vais devoir quitter. Si je retrouve pas le Raditz, je vais péter un câble. Ok, on va regarder Goku, parce que si c'est pour que je retrouve pas le Raditz, c'est bon. Allez, c'est parti, let's go. J'ai pris des items classiques, parce qu'on risque de prendre cher, quand même. Hein. Le problème, bah voilà, vous allez le voir rapidement, c'est les PV. 109 000 PV, les gars, parce que Raditz donne que 40% en PV. Donc en fait, je sais même pas si on va passer le premier boss. Alors le Thales arrive dans la rotation juste après, c'est très bien. Est-ce qu'on va passer le premier boss? Non mais sans déconner, si Juba il se paye, on est mort quoi, enfin je veux dire on est mort. Ah les gars, ça est chaud en fait. Hein. J'avoue en fait, j'ai peut-être surestimé la catégorie. Hein. Enfin, si tout le monde était Spedis, mais même niveau des PV, c'est pas ouf. Hein. Ok, 700 000 d'entrée de jeu, plus une esquive. Pas mal. Bon après il a crit sur le bon type, hein. Donc attention, attention. Ne vous enflammez pas trop les amis. Hein. Bon, ok, Facha, voilà.
Bah Raditz, je vais te virer parce que en fait, après, il va y avoir que de l'agilité, donc on va se faire ouvrir en deux. Donc on va faire ça comme ça. Alors, niveau attaque, c'est correct, parce que 80% x2, bah c'est correct hein, quand même. Hein. Mais par contre, ouais, PV défense, Juba, il va nous faire mal. Hein. En fait, je sais même pas si on va passer un boss, quoi. Ça va être chaud. En fait, on va peut-être en faire qu'un. parce que je me rendais pas compte que qu'on aurait si peu de PV en fait. Hein. C'est assez impressionnant. Alors Talesu, il peut nous. En fait, Talesu, ça peut être l'homme du match. Hein. Parce que s'il stun régulièrement, deux tours de tranquillité, il peut être l'homme du match. Vous voyez, on bloque sur le bon type 7000, 205 000 en valeur d'attaque. On le reverra ce Talesu dans ma team Extreme Tech. Je crois qu'il la stun. Oui, il la stun. Ah, Talesu, il peut faire le café. Hein. Il peut peut-être nous offrir la victoire plus facilement que prévu, on va dire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en termes de lien, ça marche pas trop mal entre ces différentes unités. Là, on va rester comme ça. On va prendre. Bah, de toute façon, il est stun, ouais. Donc, on va laisser partir Bardock en spé. Bardock, franchement, spé 10, il doit être sympa. Mais bon, voilà, spé 10. Vous croyez que je vais lui mettre 9 d'Aikai Tech hein. Déjà, je les trouve où? Et puis voilà quoi. Après il est pas mal hein, mais bon. Mais voilà quoi. Pas cramer des vieux Kai là-dessus quoi. Ça c'est le problème des Ozaru, hein. L'aspect non farmable, ça gâche un peu tout quoi. Je sais même pas si Fasha va le finir. Ok. Comme ça là c'est bien, on a Thales. Qui peut éventuellement stun encore une fois. Alors par contre s'il stun pas, ouais, c'est chaud. Hein. Et s'il stun pas, les gars, on est dans la merde. Parce que si jamais l'autre derrière il nous spé, ouais, on va pas rigoler. Hein. Bah, les dégâts augmentent, hein, 8500. Bon, t'as les sous, une chance sur deux de stun. Oh là là, il est beau gosse. Bah, je vous ai dit qu'il allait nous carry la game, ce Thales. Bon, Raditz, pas mal, pas mal. Pas dégueu les dégâts, hein. Franchement pas dégueu. Sachant qu'il a pas son deuxième boost. Hein. Bon là, on tape pas sur le bon type. Donc là, c'est pas trop mal, on va rester comme ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Mmh. Bon après il y a Jubai. Hein. Jubai il a plus de barres de vie. Hein. Donc il fait encore plus de dégâts. Donc, et il a une grosse défense. Donc voilà. On risque de devoir claquer un ou deux items. Il y a moyen. Donc en plus ça on le tue pas. Oh non, t'as il concentre toutes ses attaques au début, t'es sérieux. C'est pas cool ça. Hein. Bon, Fasha, est-ce que tu nous soignes un peu? Avec tout ça de ki rouge. Ouais, c'est pas ouf. Bon, t'as les sous. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Ok, bon là, Juba y arrive. Hein. Là, on va pas rigoler. Hein. Ouais. Ouh là là, ouais. Pff. Non mais là les gars clairement là je mets pas d'item on est mort. Ah je vous le dis direct. Là je mets pas d'item on est mort. Et même en mettant des items ça va être chaud cette histoire. Hein. Si spé sur Raditz, y a moyen de mourir direct. Hein. Même avec l'item. Hein. Même avec l'item, je pense que si nous spé sur Raditz, on est mort. Allez, t'as l'absence de dégâts en plus. Parce que Juba a une défense élevée. Ah ouais, c'est chaud. On est mort. On est mort. On est mort, les gars. Ah. Ah d'accord. Ah ouais, donc même avec le dragon, on s'est pris des tartes à 20 000, quoi. Ok, j'ai clairement surestimé la team. Alors, là, le délire, c'est que si Thales stun... On est bien. S'il stun pas, on n'est pas bien du tout. Est-ce que je mets un ghost? Ou est-ce que je remets un dragon? Allez, on va mettre un ghost. Comme ça. Bah, si Thales se stun, quoi qu'il en soit, le tour suivant sera tranquille. Ah ouais, j'ai. Bon, après, le gros problème, hein, c'est ouais, les PV. 100 000 PV. À la limite, tu peux te faire one shot. Hein. Clairement, tu peux te faire one shot. J'avoue que c'était chaud.
Bon, du coup, je sais pas s'il a stun. Bon, clairement, ça manque de PV et de tankiness. Hein. Oh, le stun est passé. Thalès, homme du match. Hein. Donc, c'est fun, mais c'est risqué. Hein. Je pense que ce sera le titre de la vidéo. C'est fun, mais risqué. Ah, clairement, oui. Clairement, c'est chaud. Hein. Bon, je pense qu'on va faire qu'un boss, les gars, parce que je vois pas ce que ça apporterait de faire le suivant, en fait. Alors, si, juste pour un truc. Juste le début, parce qu'il y a plusieurs ennemis, comme ça, juste pour faire un petit carnage pour finir, pour le plaisir. Mais voilà, parce qu'après, ça apportera rien de spécial. En soi, on a vu, bah... Non, mais c'est marrant, en fait, c'est sympa d'aligner ces cartes-là qui sont un peu oubliées, en fait. C'est ça qui fait plaisir, c'est de sortir les cartes comme ça. Moi, j'aimerais... Ah bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a pas de Ouzaru qui sont transformés. Parce que ça, c'est un point fort de la team, quelque part, hein, parce que t'es invincible en Ouzaru. Donc ça, d'un côté, c'est quelque chose de bien. Faudrait qu'ils mettent un event où... Alors, bah, je sais que là, dans l'event de Raditz, il faut prendre cette catégorie pour plus dropper, mais... Tu sais, j'aimerais bien que chaque catégorie t'apporte du drop sur un event, je sais pas, mais autre, enfin, je sais pas, autre chose. Parce que là, une fois que t'as farmé Raditz, quoi. Ce serait bien, quand même. Pour pouvoir ressortir ces cartes-là, tu vois, ce serait bien, quand même. À quoi une catégorie qui booste le drop de gemmes? Ah oui. Bon, par contre, ouais, attends, on fait pas de dégâts, hein. En même temps, on tape pas sur le bon type. Donc forcément, je crois que ça va foutre le bordel dans nos rotations. Je pense qu'on va même pas le finir, les amis. Hein. Alors, combien on mange sur une spé sur Raditz? 128 000, voilà. Du one shot. Non, on va pas le tuer. On ne va pas le tuer, les amis. Bon, je pense que là, la transformation va s'annuler. Et piouf, ok. Donc on a notre Raditz Ami Leader, ce qui me plaît pas trop. Thalès a pu son passif. J'aurais aimé le garder. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, vas-y Thalès. Vas-y Thalès, fais-toi plaisir. Dokkan Mode, rien que pour toi, frérot. Franchement, c'est maintenant. Si tu veux te faire plaisir, c'est maintenant. Donc, let's go. Hein, let's go. C'est parti. C'est maintenant. Bon, et moi, je dis... allez. 500 000. Ok. Bon, 416 000. Ah oui, il a pas son passif. Non. Enfin, s'il avait son passif, il aurait largement fait les 500 000. Mais... Bon, allez, on se fait juste la première phase du Frieza pour le fun, pour le petit carnage, pour terminer. Parce que voilà, n'oublions pas que... Bon, le plus important de tout ça, c'est que Raditz à 100% est un excellent carnage. Mais non! Mais Bardock, tu fous la merde! Mais non, t'es sérieux? Mais non! Mais non, bah attends, tu sais quoi? Je vais taper Frieza... Putain, ce troll! Putain, 115 000 Bardock, putain, il est pas mal en Ouzaru, Combien on prend? Ah ouais. Allez, je m'en fous, je tape Frieza comme ça, je fais pas de dégâts. Et dure que deux tours, hein, parce que c'est bon. Ah non, mais il gâche mon showcase, mais... c'est bien, tiens. Allez, on continue. Allez, on chatouille Frieza. Mais mine de rien, en plus, les Ouzaru, une fois Spédis, si je dis pas de conneries, la Spédis a un impact sur l'aspect en Ouzaru. Hein. Donc, je suis quasiment sûr. Hein. Parce que quand tu vois qu'Hildegard, mon tapion Hildegard sur la Jap, quoi, il monte à 1 million en valeur d'attaque en spé. Voilà, je suis quasiment sûr que l'aspé a un impact. Les stats, non. Que tu mettes dans l'arbre ou pas, ça change rien pour le Ouzaru. Par contre, si c'est ta spé et ta 10, ça vaut aussi pour le Ouzaru. Et je t'assure que mine de rien, ça fait les dégâts. Hein. Bon, on va mettre Raditz pour faire le carnage. C'est parti. Donc je rappelle que quand il y a deux ennemis au plus, il a 30% attaque et def en plus, et ki plus 6, donc il part automatiquement en spé. Et donc c'est extrêmement utile pour les TB, parce qu'il sera ki plus 9 de base. Donc c'est grave, c'est grave cool, hein, clairement, c'est grave cool. Puisqu'en TB, tu sais bien que l'ami leader, le passif n'est pas activé. Donc il peut y arriver qu'il y ait des problèmes de ki, et avec ce Raditz, il n'y a pas de problème de ki. Alors peut-être pas one-shot tout le monde, parce que le mien, il est pas à 100%. Hein, il est rien du tout. Donc du coup on les a pas finis. Bah c'est pas grave, on va les finir avec l'ami leader. Allez Raditz, fais-toi plaisir. Donc là Raditz 100%. Quand ça crit, ça pique. Hein.
C'est parti. Donc 371 000 en valeur d'attaque, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Pff, voilà, le, quasiment le million. Hein. Quasiment le million. Non mais regardez-moi ça, quoi. Beau gosse. Franchement, tu peux pas dire le contraire. Hein. Clairement, carte gratuite. Carte gratuite, moi je valide. Je valide complètement. Donc très très bon sur Raditz. Bon, la catégorie, c'est plus pour le fun, encore une fois, mais... Très très bon sur Raditz, franchement. Donc si vous n'avez pas de carnage OP, les gars, 100% direct, ce sera pas perdu. Il vous aidera énormément pour les TV. Comme je vous l'ai dit, en x20, c'est ultra facile avec lui. x30, ok, c'est plus compliqué. Il faut vraiment être attentif au plateau, à ce qui se passe. Mais pour si tu veux pas te prendre la tête, tu farmes en x20. Moi, ce que je fais sur la jade pour pas me prendre la tête. Tu fais en x20, ça déroule tout seul. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc franchement, vraiment très très bon sur Raditz. Bon, sur ce, les amis, on va se laisser là-dessus. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous et Twitter, n'oubliez pas. Passez une bonne journée, à très bientôt. Salut à tous!